Good morgen, allez, Yiden et Susra aujourd'hui, le Nishmat, Chena Esther, Bat Miriam, Rosette Zohara, Bat Sultana, Maurice Moshe, Ben Sultana. Si vous souhaitez, vous suivez une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet de Bovin, Perek, Zain, Mishnah Gimel. Haritz, Sheben, Shtei, Chatzerot, Amok, Asara, Verachav, Arba, il faut dire Arba, A. Mearvin, Shnaim, Ve'en, Mearvin, Echad, Afilou, Malekash, O, Teven. Male, Afar, O, Tzorot, Mearvin, Echad, Mishnah avec même principe étudié dans la Mishnah précédente. Cette fois-ci, on va procéder qu'on va d'abord traduire la Mishnah, après l'expliquer. Charitz, une faille dans le sol, quelque chose de creusé, soit naturel, soit qui s'est fait naturellement. Sheben Shtei Chatzerot, qui se trouve entre deux cours. Soit j'ai ma cour, il y a votre cour de l'autre côté, en face. Et ce qui nous sépare, il n'y a pas de mur qui nous sépare, on a concrètement une fissure dans le sol, séparée de quatre fachim, un tremblement de terre par exemple, ou bien, même si on l'a fait manuellement, qui est bien sûr profond de 10 fachim, d'accord? Il y a une profondeur de 10 fachim. Donc il s'avère que maintenant c'est un domaine, comment dire, une zone tampon entre nous en fait, qu'on a entre nous. Alors la méchante enseigne, s'il est Amok à Sarah, s'il a une profondeur de 10, Verachav Arba'a, il a une largeur de 4. La différence entre Arba, oh, je vais vous expliquer un cours de grammaire à la fin. Mais pour le moment, Arba'a, quand on dit Arba, ça veut dire Arba'a Tfachim. 4 points. Donc 40 cm. Si on dit Arba, alors c'est Arba Amot. 4 Amot. Et ça devient 2 mètres. Et là, il faut dire Arba'a Tfachim, d'accord? Alors comme ça, la Mishnah m'enseigne, mais Arvin, c'est le vertement, il précise. Il faut dire Arba'a. Mais Arvin, Shnaim, Ven, Marvin, Echad, on fera 2 Hérouves. Et on ne pourra pas faire un seul grand Hérouve entre nous deux. A filou malekash oteven, même si ce haritz, même si cette faille, elle est pleine, on la remplit de cache, de paille, ou de teven, c'est deux sortes de paille, de foin. Par contre, si c'est malé afar, on la remplit de terre, otsorot, ou bien on a mis plein de cailloux dedans, mais arvin echad, il faudra maintenant prélever, il faudra faire un seul grand hérouve entre nous. Ven Mervishnaïn, on ne pourra plus faire de Hérouve. Et on explique un peu mieux de quoi on parle. On est toujours sur le même principe. Je rappelle, lorsqu'on habite plusieurs cohabitants dans une cour, on a une cour partagée entre nous tous, alors on ne peut pas faire sortir les objets qui sont dans nos domaines privés dans cette cour commune. Ouais, sauf si on fait un Hérouve. Il faut qu'on fasse un Hérouve, qu'on s'associe tous ensemble, comme on a longuement expliqué durant toute la Maseret. Et il y a maintenant, lorsqu'on va faire un hérouve, alors si on est 5 habitants par exemple, il faut que chacun cotise et amène son pain pour faire le hérouve, chacun doit faire le hérouve. Et si toutefois on est 4 habitants qui amènent le pain et un qui oublie de l'apporter ou qui ne l'a pas mis, il bloque tout le monde, il ne pourra pas porter. Du coup maintenant, on s'intéresse depuis le début du chapitre, lorsqu'on a deux cours mitoyennes, quand considère-t-on qu'on est une grande cour et quand on considère qu'on est deux cours distinctes? J'ai oublié une précision importante aussi, c'est que si toutefois on est considéré comme deux cours distinctes, on ne pourra pas porter d'une cour à l'autre, même si on fait un hérouve. On peut faire un hérouve entre nous que si on est que si on a une porte entre nous, ou bien si on est. Alors du coup, on avait trois situations à chaque fois. Il y a une situation où on est considéré comme une seule grande entité, donc on a l'obligation de tous s'associer. L'autre situation extrême, si on est considéré comme deux domaines distincts, donc on ne peut pas s'associer. Donc nous, on fait un hérouve indépendant, et vous, vous faites un hérouve chez vous indépendant. Et on ne pourra pas faire les objets, passer des objets d'un à l'autre, si vous rappelez la mission précédente, on a compliqué un petit peu l'histoire, mais en tout cas, on est maintenant bloqué chacun chez soi. Et la situation intermédiaire, c'est qu'on est deux cours distinctes, mais on a une porte ou une fenêtre entre nous, qu'on a l'avantage qu'on peut décider de s'unir ensemble. Soit on peut faire chacun le hérouve tout seul, ou on peut finalement décider qu'on va, faire un très grand hérouve, et dans ce cas-là, on pourra même faire passer des objets des maisons d'un côté, aux maisons de l'autre côté. C'est le grand principe qu'on a découvert durant toute la Mishnah, avec hier, on a une Mishnah un peu plus longue, et on la redécouvre cette fois-ci avec, au lieu d'avoir un mur qui nous sépare, cette fois-ci, on a une, je sais pas comment dire, une faille, par une faille dans le sol, un creuset, je sais pas. Et donc, maintenant, ça se passe comme ça. Tout d'abord, si toutefois on a une faille, mais qu'il n'y a pas une largeur de 4 tfachim, alors là, c'est même pas considéré comme une faille, étant donné que facilement on passe au-dessus. Ouais, 4 cm, 4 cm, n'importe quelle personne, il est capable de passer 40 cm, même un petit enfant,
qui marche à quatre pattes. Jusqu'à 40 cm, il peut aisément passer d'un à l'autre sans. Donc, 40 cm, si c'est moins de 40 cm, il n'y a rien du tout. Puisqu'il n'y a rien entre nous qui nous sépare, alors dans ce cas-là, on est considérés tous comme une très grande cour. Le fait qu'il y ait une faille par terre, ça ne dérange pas. Si on a une ouverture de plus de 40 cm, et qu'en plus de ça, maintenant, elle est devenue profonde de 10 tfachim, alors il s'avère que maintenant, c'est un domaine intermédiaire. On n'est plus une seule grande cour, on ne peut plus passer facilement d'un autre, on devient deux cours distinctes. Si on devient deux cours distinctes, nous, on fait un hérouf tout seul, et vous faites un hérouf tout seul dans votre cour, là-bas, chez vous. Et un, il n'influence pas la vie de l'autre. On ne pourra pas s'unir, on ne pourra pas du coup prendre les objets des maisons de chez nous pour les amener chez vous. Aussi, parce qu'on est distincts. Même si on va décider de sauter au-dessus, on ne pourra pas, malgré tout. D'accord? Ça, c'est le début de la Mishnah qui nous a dit, donc, qui a donné cette condition de Amok Asara et Rechav Arba. Maintenant. On va apprendre maintenant quelque chose de nouveau. C'est comment boucher cette. Comment remplir cette faille. Alors la Mishnah, elle me dit, tu sais, si tu la mets avec quelque chose de provisoire, que dans son état, c'est quelque chose qui est prévu à être retiré de là. Par exemple, tu as mis du foin pour le moment, pour stocker, pour ce Shabbat. Tu as ramené plein de foin, plein de paille du champ. Tu l'as rempli pour le moment. C'est un bel endroit pour stocker le foin et au fur et à mesure, on le retire pour le donner aux animaux. Alors là, puisque tu n'as pas l'intention de le laisser du tout, tu l'as mis quelque chose, tu l'as mis avec l'intention de le retirer. Alors dans ce cas-là, tu n'as pas bouché le trou. C'est resté un réchoute indépendant. C'est en fait la problématique de la fin de la Mishnah, elle est de savoir, lorsque tu bouches, si toutefois tu as bouché cette faille, tu l'as remplie, apparemment maintenant c'est devenu un seul, est-ce que c'est devenu un seul grand réchoute ou pas? Et la règle, elle est simple. Si tu as mis quelque chose que, en l'état, il est censé rester là pour le moment, on n'est pas censé forcément le retirer d'ici, alors ça s'appelle que tu l'as bouché. Comme si tu as rempli de la terre, tu as rempli de la terre, n'importe quel sol. C'est pas grave, s'il y avait une fois, il y avait une faille, aujourd'hui tu as rempli cette faille, et maintenant c'est tout rempli, c'est devenu un endroit plat. D'accord? Donc ça forme une seule entité. Mais si tu l'as rempli avec quelque chose que tu es censé le retirer près ou prochainement, alors dans ce cas-là, tu ne l'as pas rempli. Et c'est pas considéré comme un remplissage, remplissement, je sais pas. C'est pas considéré comme un remplissement qui remplit réellement, parce qu'il est censé être retiré. Et c'est le principe de la Mishnah qui me dit, si tu as mis du cash ou tes veines, de la paille ou du foin, c'est quelque chose que tu vas utiliser, tu as stocké, tu as acheté plein de papier toilette, tu l'as rempli, tu as mis tous les rouleaux dedans. Bon, ben, d'accord, ça ne s'appelle pas à remplir, tu vas les retirer. Mais en principe, tu as mis des fruits, tu as mis tout ce que tu pourrais mettre dedans, des choses qui sont censées être retirées. Par contre, si tu as mis dedans de la terre ou des cailloux, c'est afar ou tsorot, alors dans ce cas-là, pour le moment, tu les laisses ici. Même si sauf si tu as une intention prévue, que tu les as mis là, le temps. Parce que tu vas construire la semaine prochaine, tu vas le retirer. Alors, et effectivement, ce sera considéré comme de la paille et du foin. Mais dans le cas où tu n'as pas eu d'intention spéciale, tu l'as amené ici pour le moment. Alors, c'est quelque chose que tu es censé. Que pour le moment, c'est quelque chose qui s'annule au sol. Et dans ce cas-là, ça s'appelle que tu as bouché la faille. Et tout est devenu une grande cour. Donc, obligation de faire un grand yaouf pour tout le monde en même temps. Ok? Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha Kol Tov. C'est là. Tu dirais, Hanan, une fille.